Ok. Je continue encore un peu. Hein. Malgré l'heure, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand monde. Quand on est pris dans le jeu, on est pris dans le jeu, écoutez. Ouais, lui il en vend. Je vais en acheter 5. J'ai plein de pognon de toute façon. Autant que j'en achète un petit peu d'avance. Merde. Je voulais pas aller là. Je voulais aller là. Alors, je vais devoir te déposer temporairement, mon cher. Ma chère, d'ailleurs, tu es une femelle, Tigrekai. Hop. Je vais devoir... D'ailleurs, voilà. Je vais devoir retirer... ils sont sur l'autre boîte. Je vais vous retirer tous les deux. Hop. Alors. Pour voir. Non. Attends. Ah, d'accord, c'est qu'on sait pas trop. Merde. Attends, je vais faire une save cette fois. Tout à l'heure, ça n'a pas marché comme je le pensais. Ça n'a pas marché comme je le pensais, dans le sens où j'ai fait... J'ai fait quoi? J'avais fait Kaiminus... Non, parce que je voulais la tête de Kaiminus et j'ai cru que c'était la tête en premier, mais en fait non, c'est le corps. Le Pokémon que je choisis en premier, c'est le corps et c'est la tête en deuxième. Donc moi, je préfère que ce soit la tête. Ouais, ouais, c'est plus ça que je veux. Normalement, c'est ça. Ce sera le corps de Machoc. Avec la tête de Macronium. Normalement, c'est bon. Ah bah non! Bon bah j'ai pas compris. Je me suis fail encore. Putain! Bon, j'avais fait une save de toute façon. J'ai bien fait une save. Hein. J'ai... On sent que je commence à fatiguer, là, j'ai le doute. Je suis persuadé d'en avoir fait une, mais j'ai pas confiance en moi, je sais pas pourquoi. Dans ce menu, là je crois qu'après je me suis dit justement que c'était la sauce qui suce, comme on dit dans le métier. La sauce qui suce. Bon. J'espère que je fais pas une connerie. Hein. Non, c'est bon. C'était ça du coup, fallait que je choisisse ça et ensuite ça. Mais j'ai fait la même chose en fait. Putain, hey, je crois que je suis fatigué. Je crois qu'il est temps bientôt de m'arrêter. J'étais persuadé d'avoir fait un truc différent. Oh mon dieu. Ça a pu, moi, hein, ça a pu. Mais pourtant, je suis vraiment persuadé d'avoir fait un truc différent. Genre, sans déconner, hein. Ah, mais je sais pourquoi! J'avais oublié une règle essentielle. Ah, ils étaient du même level du coup tout à l'heure, mes deux autres culs là. Ouais, sûrement. Mais j'avais oublié une règle essentielle. C'est que le Pokémon qui a le level le plus élevé, ce sera le corps. C'est seulement s'ils sont du même level que tu peux choisir en fait. Donc en gros, si je vraiment pour le skin, hein, je préfère avoir le corps de Machoc. Sinon, ça va donner un truc qui va me plaire moyen. Donc il va falloir qu'on booste Machoc jusqu'au niveau 17 en fait, avant de pouvoir faire le mix. Non bah du coup je vais store lui. Puis on va récupérer Tigrekai. Mais ouais, ils étaient du même level du coup, je me souviens plus très certainement hein, du coup Kaiminus et Salamèche. Ils devaient être du même level. Par le plus grand des hasards. J'imagine. C'est pour ça que quand je faisais le mix... ça sauçait comme ça. Ah, je dois avouer quand même que... Non, je viens de regarder sur la rediff en plus. C'est même pas le cas. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. En fait, vous savez quoi? Il y a de grandes chances que j'avais raison. C'est-à-dire que le premier Pokémon que je prends, c'est la tête. Et le deuxième que je prends, c'est le corps. Je pense que j'avais raison depuis le début sur ça. C'est juste que on était dans la même situation qu'avec qu'avec les deux Pokémon actuels. C'est qu'on en avait un qui avait un level supérieur à l'autre. Et que c'était forcément celui-ci qui prenait le pas. Même si je faisais en sorte de choisir. Donc en fait, je me suis saucé là-dessus. Et moi après, bah, j'ai refait la fusion en utilisant l'item que je pouvais utiliser. Et c'est comme ça que j'ai pu choisir. Mais sans ça, il faut soit qu'il y en ait un qui ait le level supérieur pour choisir de cette façon, ou que je choisisse dans le bon ordre. Ouais. Parce que je me disais, c'est quand même bizarre que les deux, ils avaient le même level, mais non. J'oublie des paramètres. On la sent, la grosse fatigue, quand même, parce que... C'est pas des erreurs que je ferais en début de stream d'oublier ça. Donc du coup, bah, je pense qu'on va utiliser mon... C'est des items rares, mais écoute, de toute façon, il faut bien les utiliser à un moment. Plutôt que se faire chier à farmer comme un porc avec un Pokémon à la con. On va refaire la fusion. Et puis on va le... On va le reverse, tout simplement. Merde. Attends, Growl, donc non, on la prend pas. Après, ouais, ça c'est Trancherbe, ça c'est bien. Poudre poison. Ouais. Synthèse, non. Et soit No Guard, soit Overgrow. Je vais dire Overgrow. Voilà. Et on va utiliser le reverseur. Ah, il galère un peu le jeu là. Il va y arriver. Oh. Ces couleurs, quoi. Ah, du coup, il apprend un autre truc. Low sweep. Retire damage and heavier flow. Karaté chop. Je préfère ça à la limite. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, Salope InShape est level 13. Donc ça va être lui qu'il va falloir d'abord monter. Enfin... Ah, c'est devenu un mec, du coup, il faudrait lui changer son nom. Du coup, on verra ça la prochaine fois. Je vais juste lui enlever... Ouais, on va juste le remettre... On va juste le remettre comme ça. Parce que bon, les giveaways, là, je pense que ça va être un petit peu la sauce. D'ailleurs, je vais les fermer définitivement. La prochaine fois, on renommera les Pokémon que j'ai eu entre temps. De toute façon, je vais pas en capturer beaucoup, à mon avis, maintenant. Je vais juste faire un petit peu... Je vais juste terminer sur un peu de farming. On va terminer la soirée là-dessus. Et puis, de toute façon, il va falloir que je farme. Je pense que si mes Pokémon ne sont pas minimum niveau 35, le Giovanni, je le saucerai pas. Et vu que je veux aussi améliorer ces Pokémon-là, ça va être du farming pendant un petit moment, je pense. Donc on passe en mode tranquille, hein. On va dire ça comme ça. S'il le faut, je ferai peut-être du farming en off. Après, ouais, c'est dommage que vous voyez pas l'évolution du Pokémon au moment où elle arrive. Donc, ouais, je sais pas trop si je le ferai en off en fait, mais... Cette zone pour farmer, elle est pas trop mal. Les Pokémon sont niveau 19, ça passe plutôt bien, je pense. En plus, Jean-Pierre Niaxo, il évolue au niveau 35. Là, ça va être pas mal. Ainsi. Ah mais non, je me suis trompé de cible. Ouais, c'est ça, suscite-toi. C'est tout ce qu'on aime. J'ai réussi un truc. Il évolue au level 28, hein, et on a le temps quand même. C'est jamais l'heure d'aller au lit. Alors, en vrai, je fais un peu de farming et je vais pas tarder à arrêter. Parce que je me suis fait enculer par Giovanni, qui a des Pokémon à des levels genre 40. Coup, mon équipe se faisait surclasser. En plus il triche, il fait des coups critiques instant. Rosin Weeb, bah voilà, parfait, très très bien. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, maintenant j'en croise des Salamèche, c'est bien. Ouais, non mais bon, on croise des choses bizarres hein, dans cette nature, faut pas chercher. Fallait le capturer et le faire évoluer direct. Bah, ça sert à rien, j'ai déjà ça dans mon équipe. J'ai Baffe-Nez, le puissant, enfin, je sais même plus si c'est un mâle ou... Si c'est un mâle. Le puissant Baffe-Nez. Qui est un mélange de Léviator et de Tainion. Là, techniquement, mon équipe devrait être complète, hein, juste, je suis pas certain à 100% pour lui, mais je pense que ça devrait le faire. Il y a un mélange de Machoc et de Méganium. Et là, du coup, c'est Kaiminus Salamèche. Ça, c'est Noix de Coco Gravalanche. Donc ça c'est le Baffe-Nez du coup, Léviator Tainion, hein, qui est vraiment gros bill. Lui il est dans une phase un petit peu triste, hein. Il a plus qu'une tête, il a plus de corps. C'est un mélange du coup de Infect et Draco. Donc vivement qu'il devienne Dracolos, Tyrannosif, là ça va être violent, mais pour le moment il est vraiment dans sa mauvaise phase. Et puis bah là on a Smogo Cadabra. Alors j'ai pas un versus seeker par hasard. Ce serait plus dans les objets clés, non? Ouais, j'ai pas de versus seeker. C'est bien dommage ça. C'est bien dommage. Ah, il y a peut-être, je suis en train de penser, mais il y a peut-être un ou deux dresseurs que je me suis pas fait au sud de l'avant-ville. Ça pourrait valoir le coup d'y aller. Sachant que je suis pas trop loin. Parce que le sud de l'avant-ville, j'ai pas dû y aller, vu que t'as Ronflex normalement qui bloque et tout. sûrement toujours le cas. Hein. Par là, plutôt. Alors. On va aller voir ça. J'aime bien le manque de cohérence dans le truc, dans l'histoire, n'empêche, parce que j'ai laissé Erika face à Giovanni, le temps d'aller m'entraîner ailleurs, quoi, comme un gros enculé. Donc ouais, je pense que ces dresseurs, j'ai pas dû les affronter. Ah, il y a une grotte ici qu'ils ont rajoutée. Donc si j'ai pas affronté ces dresseurs, ça peut être un moyen de monter mes nouveaux Pokémon. Ouais, je sais pas affronter. On va voir ce qu'ils veulent. Si vous m'envoyez des merdes pareilles, il y a moyen que ça le fasse. Ah, il m'a endormi, l'enculé. À quoi ça sert de m'endormir, espèce de fils de pute? Voilà, maintenant il va utiliser ses techniques de crisacier de merde. Bah, vas-y, heal-toi, je te dirai rien. Ouais, Jean-Pierre Niaxo, pas content. Ou trio, alors ça, ça sent la sauce. Je sentais bien que ça sentait la sauce. La gueule, quoi. La gueule de merde. Dès que les Pokémon ont plusieurs têtes, en plus, ça, généralement, ça donne des trucs bien pourraves, en vrai. Il y a toujours une tête qui garde la tête d'origine, au moins. Me double. Non, mais vas-y. Je reste sur Jean-Pierre Niaxo, moi. J'ose espérer qu'il a gardé le poison. Il a gardé le poison. Ça, c'était du Gobou, du coup, encore une fois. Ah! Un dresseur que je peux affronter à l'infini! Oh oui! Oh oui! Mais est-ce que c'est pas le cas de tous les dresseurs, en fait, dans ce jeu? Je me demande, en fait, tout d'un coup. Magikarp Mew, c'est pas mal. Magikarp Mew. Mon dieu. Je vais aller voir sur l'autre route, juste pour vérifier. C'est possible que, du coup... Ah ouais, on peut tous les affronter à l'infini. Mais pourquoi je me fais chier à farmer sur des... Bon, pour le principe, je vais aller battre quand même les nouveaux en premier. Mais ouais, pourquoi je me fais chier sur des Pokémon sauvages, du coup? Mais ça, je m'en rappelais plus, hein. Ça, c'est le fait aussi que j'ai pas joué pendant des mois. C'est très certainement un truc que je savais à la base, mais que j'ai oublié, quoi, simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de versus seeker, en fait. Je peux juste me les refaire comme je veux. J'ai essayé de faire évoluer mon Magikarp, mais il s'est passé un truc pas cool. Ah ouais? Bah t'as pas de Magikarp là, qu'est-ce que tu me racontes? T'as un truc de merde. Un truc vraiment pourri. Allez, vas-y. Il a forcément gardé son poison. Reflet. Reflet... Non, j'aime autant garder ce qu'il a actuellement. vais voir ce qu'il y a par là. Il y a un item, un arbre mort, Tamato Berry, si tu veux. C'est ta mère la grosse. Jolt Puff. Vas-y, balance-moi ce que tu veux. Cette limace des enfers. C'est pas très efficace, comment ça se fait? Il est quel type, Zarbi? Pour que ce soit pas efficace. Il a les ténèbres? Je sais pas. Et donc il y a effectivement le Ronflex ici. Et il y a une femme ninja qui fait chier. C'est peut-être la pote à Koga, ça. Ok. Moi je dis, lui il a un Pokémon poison, il en a qu'un seul. Je peux l'enchaîner avec... Ah. Merci. Il m'a donné une pierre haut comme ça. Ah non, lui, je peux pas l'affronter à l'infini. Je peux pas tous les affronter à l'infini, en fait. Parce que je... Ouais. Bon. Bah, écoute. Allez. On va aller sur la route. Ouais, bah, le mec avait le type poison, là, je l'aurais enchaîné avec mon Jean-Pierre Niaxo. Ça aurait été pas mal. C'est pas grave, on va voir si je peux pas trouver quelqu'un qui a du type poison. Foresight. Non, c'est nul. Les plus mignons, c'est pas forcément les plus forts. Non, je veux pas de rematch. Faut que je trouve un mec avec du poison. Non. Je raquerai pas pour tes arnaques. Donc, vous voulez pas... Ouais. Par contre, double combat, non merci. Vas-y. Montre-moi ce que t'as. Bah voilà. Avec un peu de chance, lui, il a gardé le poison, lui. Ah, il... Non, il a pas gardé le poison. Donc il est plante... Il est plante eau. 99 225 fusions possibles. Ouais, avec la mise à jour. Parce qu'avant c'était plus dans les 77 000. Limite, il faudrait que je mette à jour le titre des trucs, mais bon. Lui, il y a possibilité qu'il ait le poison. Ah, il a pas. Ah merde, l'enculé. Enculé de merde. Je sais pas si je peux le niquer avec Baffe-Nez. J'ai un doute, mais on va le mordre. C'est toujours mieux que rien. Quick Guard. Nope. Par contre, la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'il utilise systématiquement le même Pokémon? Vu qu'il en a qu'un seul, je vais tester sur lui. Ouais, il garde le même. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Mais pour le moment, je voulais que ce soit Jean-Pierre Niaxo qui monte avant de monter les autres. Hop. Allons-y. Ah, type combat, ça marche aussi, hein. Ouais, sauf si t'es plus rapide que moi et que t'as des attaques qui sont contre moi, bien sûr. En plus, je te one-shot pas, enculé. Il va me baiser, en fait. Ah, il m'a pas baisé, mais pas loin. On a 2 PV près. Vas-y, balance. Tortank et Magnéti. Le machin, c'est juste la tête de Tortank entre deux écrous, quoi. Seismictos, hein, vas-y, dis-moi ce que c'est. Ouais. Bof. Ah, attends, non. Je croyais qu'il me reproposait la même chose. Magical Leaf. C'est une attaque qui manque jamais. Ça fait 60. Ouais, je vais la prendre pour le moment. Salut collègue. Je crois que la confusion c'était pas forcément le meilleur truc à faire. Allez, réveille-toi. En fait, il a que des attaques de merde. Des attaques qui endorment, qui empoisonnent. Bon, il y a les space. Hein. Ah, il a fait. Togepi, il a fait. Chier. Ben non, mais je peux pas le mordre non plus. Enfin, à chaque fois, je me fais avoir. Ouais. Dracouare, il peut pas trop se faire ce genre de Pokémon, en fait. Tu es une monstruosité, mon cher. Ah mon dieu. Allez, ramène-toi. Berserk lui la gueule, hein. Cherche même pas Dracouare. Et lui il en a qu'un seul. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, je note. Non, lui il veut me faire jouer à son jeu de merde. Et lui là. Je vais regarder ce qu'il a. Pareil, on va le berserker. Seul ce con. Aïe aïe aïe. Oui, parce que c'est un... Ouais, ça doit être un sol haut en fait. C'est un sol fait. Oh putain, il va me casser les couilles jusqu'au bout. Ouais, du coup, c'était un sol fait. Il craignait l'eau. Ah, lui, il est pas mal, lui. Lui, je peux l'enchaîner. C'est des combats rapides qui rapportent des points d'XP. Je pense que ce Pokémon n'est pas spécialement très fort. Il y a le type fée qui me... Ça c'est vraiment un type qui me casse les burnes, mais... Au global, ça doit pouvoir passer. Ah non, il craint pas ça non plus. Le type fée, je connais mal les faiblesses et les avantages, c'est le seul. Chaque fois, je les oublie. Est-ce qu'il a l'eau ? Non, il a gardé le sol. Très bien. Il en est où, là, du coup, l'autre trou du cul là. Ouais, si, dès qu'il arrive niveau 25, je passe à l'autre. Vas-y, amnèse-toi si tu veux. Allez, tu peux le faire, toi, passer niveau 25. Tu peux le faire. Donc, par contre, un coup c'est un mâle, un coup c'est une femelle. C'est le même Pokémon, mais le sexe est aléatoire, quoi. La genèse de ça. Ça y est, il est niveau 25. Revenge, c'est quoi Revenge? Potentiellement plus intéressant que Low Kick. Ok. Maintenant... je vais prendre ça et je vais le donner à Tigrekai. Voilà. Pareil, je vais le monter au moins niveau 25. Après, ils seront peut-être viables pour que je leur fasse faire leur propre combat. On n'atteindra pas le niveau 25 ce soir. Je continue à jouer jusqu'à la fin du timer là et après c'est fin de session. Il reste 6 minutes. Au mieux il va prendre 2 levels je pense. Enfin, peut-être un peu plus parce qu'il est encore bas level. Ok, alors attention, il va évoluer. Attention. Crocroméléon. Ce nom, quoi. Ce nom de Pokémon. Ça ferait quoi? En français, ça ferait Crocroptincelle. C'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est qu'elle prend Croglass Baffe-Nez. Ouais. Croglass, dis donc. Ah, ce sera mieux que le Twister, parce que franchement, le Twister, c'est vraiment l'attaque de merde qui me fait chier. Donc ouais, une attaque de glace, ça peut être cool. Twister, ça pue du cul. Alors c'est peut-être plus efficace que Water Pulse. On va le tester, Water Pulse, quand il est full life, voir ce que ça donne. Niveau 19, sinon Tigrekai. Ah ouais, c'est carrément mieux. Bon, à la limite, pour l'achever, je vais utiliser le Water Pulse. De toute façon, c'est mon dernier. Après, Water Pulse, hein, je suis vraiment pas certain que ce soit la meilleure attaque. C'est sympa parce que des fois, ça peut confuser l'ennemi, mais à part ça... Farming. C'est pas mon, c'est pas trop mon truc en plus le farming. Hein. J'ai jamais été fan de ça. Mais bon. Parfois faut ce qu'il faut. Ah bah j'ai raté. Fuck you. Si tu rates, ça t'apprendra. Je pense que ça va être le dernier. Là. Dernier combat que je fais ce soir. J'arrête le minuteur. Il restait 45 secondes. Hein. C'est juste pour éviter que ça vous explose les oreilles en sonnant. J'ai fait 6h39 de live hein, quand même. On est sur du gros live. Allez Baboulinet, tu vas pouvoir briller une dernière fois avant qu'on aille se coucher. Voilà. Ah bah écoutez... Un bon gros stream, ma foi, on a bien avancé. Enfin, on a bien avancé. Non, scénaristiquement, on n'a pas avancé des masses. Mais on a quand même avancé sur des points importants. C'est-à-dire que notre équipe, est, on peut la considérer comme complète. Y en a un qui n'est pas sûr à 100%, mais on est plus en phase de test vis-à-vis de celui-ci. C'est le mix Macronium, Machoc. Je suis pas sûr à 100% pour lui pour le moment. Mais après, pour le reste, je suis plutôt confiant. On verra pour la prochaine session. On pourra renommer aussi celui qu'on n'a pas renommé. On fera ça avec un peu plus de monde, avec des gens qui participent au ticket. Et puis voilà, je sais pas trop la prochaine fois que je streamerai. J'aurai peut-être le temps demain, mais c'est pas sûr à 100% parce que j'ai des choses à faire. Mais il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen que je stream. Pas un stream super long, mais il y a moyen que je stream. Ce sera peut-être pas ce jeu-là, par contre. Je vais peut-être jouer à autre chose. Dynasty Warriors ou Romance. On verra. Ou peut-être la reprise d'Oblivion, si je suis fou. Nous verrons. En tout cas, je vois qu'au compteur, il y a encore 5 viewers. Mais il n'y a que Jack Léon qui parle. Alors du coup, je me demande bien qui sont les autres. La masse silencieuse qui ne parle pas. Ou qui s'est endormi. Enfin bon. Allez. Bonne nuit les enfants. À la prochaine.